bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de ma vidéo Favorites, une vidéo dans laquelle je vous présente 5 favoris lifestyle. J'ai plein de très très beaux coups de cœur à partager avec vous aujourd'hui. On va commencer par une lecture, je vous en ai parlé en détail dans un article de blog. Vous me demandez souvent qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que j'ai pensé de ce que j'avais lu, et en fait je réalise de temps en temps un article de blog avec trois lectures que j'ai faites, et puis je vous donne mon avis sincère à leur sujet. Celle-ci n'est pas la dernière en date, mais c'est clairement celle qui m'a le plus marquée, je pense pouvoir dire, dans ces 10 dernières années. Ça fait vraiment partie des livres que je n'oublierai pas, que je ne donnerai pas, enfin que je ferai toujours en sorte d'avoir dans ma bibliothèque. C'est vraiment un livre qui m'a changé la vie, c'est un grand mot, mais une lecture qui m'a vraiment bouleversée. Il s'agit du roman Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Vous en avez peut-être entendu parler, le roman a été adapté en pièce de théâtre à Paris. D'ailleurs, je me rends à Paris fin septembre pour le blog et j'espérais pouvoir voir une représentation, et je serai à Paris un lundi et un mardi, et il y a des représentations tous les jours sauf le lundi et le mardi. Donc ça sera pour une prochaine fois, en espérant que je puisse voir ça de mes yeux. Valérie Perrin, qui est donc une autrice française, c'est une histoire belle dans tous les sens du terme, émouvante, touchante, drôle, attendrissante, avec des personnages auxquels on s'attache extrêmement vite. Enfin, moi je suis rentrée dans l'histoire en peut-être une vingtaine de pages. Je vous ai fait un post Instagram dans lequel je parle de ce livre, et au vu du nombre de commentaires reçus, je pense que 99% des gens iront dans le même sens que moi. C'est un roman qui est magnifique. L'intrigue est très belle. Quand je parle d'intrigue, je parle pas d'une intrigue d'un polar ou d'un thriller, mais il y a quand même un fil conducteur avec vraiment une forme de dénouement à la fin du livre. C'est une histoire à laquelle on s'identifie, je trouve, forcément d'une façon ou d'une autre, même si on traverse pas les mêmes choses que les personnages. Je trouve qu'il y a forcément un moment où ça nous parle. Bref, je ne tarie pas d'éloges au sujet de ce livre. Je vous mettrai donc mon article de blog sous la vidéo où je vous parle de ce livre plus en détail, et puis de mes deux autres lectures récentes. Mais je voulais en reparler en vidéo, même si je ne le fais pas souvent, parce que c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Donc en format poche, 8,90€. J'imagine qu'on peut le trouver sur Vinted aussi. Vinted, c'est un très très bon plan si vous voulez trouver des livres pas trop cher et à mettre entre toutes les mains, quelle que soit votre génération, quel que soit votre style de vie, quel que soit votre milieu socio-professionnel. C'est vraiment une lecture bouleversante. J'enchaîne avec le deuxième favori qui est dans la même veine. Il s'agit de ma liseuse Kobo. Alors, j'ai cette liseuse depuis ça fait un paquet d'années. C'était avant la naissance d'Inès, donc ça doit faire 7 ans je crois. J'ai un article de blog qui date donc de cette époque là. J'avais dû le rédiger 6 mois ou un an après l'avoir acheté pour vraiment vous donner un avis ferme et définitif. J'ai relu l'article, je suis toujours d'accord avec ce que je disais dedans, enfin encore en gros parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais je veux dire, j'ai pas changé d'avis à son sujet. Il est écrit « Veuillez recharger votre liseuse ». Je m'en suis beaucoup servi pendant les vacances. Alors, une liseuse, à quoi ça sert? Bah écoutez, c'est comme le porcelain, c'est écrit dessus. C'est un appareil numérique qui vous permet de lire des livres et de stocker des centaines, des milliers d'ouvrages dans cette petite chose. Alors, ça ne remplacera jamais un livre papier, je pense qu'il faut être assez clair avec ça, dans la sensation, dans la perception, mais ça a beaucoup d'avantages. Premièrement, je ne vous apprends rien en vous disant que voyager avec ça plutôt qu'avec 10 ou 15 fois ça, bah franchement c'est pas la même. Vous pouvez lire dans le noir, la plupart des modèles, même si ce n'est pas tous les modèles aujourd'hui, sont rétroéclairés. Ça n'était pas le cas quand j'avais acheté la mienne. J'avais fait en sorte d'acheter un modèle rétroéclairé, mais je sais que l'option était possible, j'imagine qu'aujourd'hui elles le sont toutes. Avec un rétroéclairage qui est suffisamment puissant pour que vous puissiez lire, mais pas trop agressif pour pas avoir la sensation d'être sur une tablette. Ça n'a rien à voir avec une tablette, un iPad ou quelque chose de ce style là. Si vous pensez qu'une liseuse est une tablette, vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude, parce que vraiment en termes de sensation ça n'a rien à voir. L'écran est complètement mat, donc on a vraiment une illusion de papier sous les mains. Ça reste une illusion parce que c'est toujours un écran, mais vraiment l'illusion est pas mal faite, avec une nuance entre le noir des lettres et le blanc du fond qui est pas trop marqué pour pas fatiguer le regard. Voilà, je vous le redis, ça remplacera jamais un livre pour moi. J'ai pas autant de plaisir à lire sur ça qu'à lire sur un livre, mais pour des gens qui voyagent beaucoup, qui se déplacent beaucoup, si vous partez en vacances, si en vacances vous lisez beaucoup, ce qui est mon cas, franchement foncez, parce que c'est un bon investissement, hein. Moi ça fait des années que je l'ai, il existe des modèles 1000 fois plus performants aujourd'hui, mais la batterie tient encore très très bien. J'imagine aussi que les prix ont dû baisser avec le temps. Je ne me souviens plus du prix que j'avais payé celle-ci. Vous avez des liseuses de plusieurs marques. La mienne donc est de la marque Kobo. Kobo, c'est une marque qui faisait partie du groupe Fnac. La dernière fois, j'ai vu que sur l'application, c'était marqué Rakuten. Alors, ce que Rakuten a racheté Kobo, je n'en sais rien. Il existe également les liseuses de chez Kindle.
Kindle qui est donc géré par Amazon. Alors voilà, après on valide ou on valide pas le fonctionnement d'Amazon, mais je pense qu'ils ont une force de frappe assez conséquente. J'imagine qu'il existe d'autres marques, donc je ne saurais vous conseiller. En tout cas, moi, la Kobo, j'en suis ravie. J'avais acheté cette petite housse que j'avais fait faire sur mesure sur Etsy, parce que j'avais pas trouvé de housse à l'époque. Ça fait 7-8 ans que je l'ai, donc je ne sais pas si la créatrice existe encore, mais si vous tapez housse Kobo, housse Kindle, ou alors que vous contactez quelqu'un et que vous donnez les dimensions de votre appareil, j'imagine qu'on pourra forcément vous faire quelque chose. Voilà, et à nouveau, je vous renvoie vers mon article de blog où je vous expliquais absolument tout sur cette liseuse. Favori numéro 3, il s'agit d'une artiste qui s'appelle November Ultra. Je vous mettrai une photo de son dernier album ou de son visage, je ne sais pas ce que je vais trouver ici. Donc November Ultra, je crois que son prénom c'est Mélanie, chanteuse française qui a exactement le même âge que moi, parce que je crois qu'on est nés en 88 toutes les deux, pour laquelle j'ai un coup de cœur absolu. Alors beaucoup de gens comparent sa voix à celle d'Adèle. Peut-être dans le timbre, peut-être dans le grain de voix, mais dans l'interprétation c'est radicalement différent. Elle me touche énormément cette femme. Je trouve que elle a une émotion dans la voix, vraiment j'en suis complètement folle. Elle a fait les premières parties de Pomme et de Clara Luciani, je crois, il y a quelques années. Ensuite elle s'est retrouvée au Montreux Jazz Festival et puis voilà, depuis elle est de plus en plus connue, mais franchement c'est tout à fait mérité. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la découvrir. Elle a un répertoire un peu pop, un peu folk, avec ce grain de voix voilà, qui est ravissant. Elle a cette faculté que je trouve peu d'artistes ont, à pouvoir chanter a cappella ou avec un léger piano derrière, donc un piano-voix très subtil, sans avoir besoin d'autotune ou de quelques fioritures que ce soit. C'est quelqu'un qui me touche énormément et je vous invite à la découvrir si vous la connaissez pas. Elle a sorti son EP, son premier EP je crois, en 2021. Voilà, donc c'est tout récent. Et je veux pas me targuer d'être la personne qui découvre les stars montantes, mais alors elle, je peux vous garantir qu'on en entendra encore parler pendant un paquet d'années, parce que c'est vraiment quelqu'un de très talentueux. Quatrième favori, les favoris Netflix, je vous en glisse deux. Comme je vous dis à chaque fois, je déborde toujours un peu parce que je dis 5 favoris, mais parfois dans une même catégorie je peux glisser deux choses différentes. Je vais juste reprendre mon téléphone parce que j'ai un doute sur... le nom du documentaire, c'est Notre Père à tous sur Netflix, qui est une histoire sordide, vraiment le mot est faible, qui s'est déroulée aux États-Unis dans les années... Alors ça fait un moment que je l'ai regardé, donc je me souviens plus, 80 ou 90. J'ai pas envie de trop vous en dire, parce que si vous en avez jamais entendu parler, j'ai pas trop envie de vous donner l'intrigue tout de suite, c'est une histoire vraie. Je vous fais le pitch du départ, des personnes qui se retrouvent sur des sites pour... faire des recherches sur leur ADN, alors il y a 23andMe, bon bref, il y a plein d'autres sites de ce style là, et qui du coup se rendent compte que leur père biologique n'est pas leur père biologique, qui entreprennent des recherches et qui tombent sur une histoire sordide d'un gynécologue qui a inséminé des femmes, des patientes avec son sperme. Voilà, l'histoire est glauquissime, le documentaire est très bien fait parce que du coup il y a vraiment beaucoup de protagonistes, donc il y a eu beaucoup de recherches de fait pour retrouver des personnes victimes de cette horrible personne. C'est hyper bien documenté, il y a juste une chose que je reproche, j'ai pris des notes, j'ai bien fait parce que je pense que je l'aurais oublié. J'ai marqué musique angoissante inutile, le sujet l'est déjà bien assez. Bah voilà, le sujet est franchement assez horrible à traiter, c'est déjà assez insoutenable à regarder. Et il y a une sorte de musique, un peu de suspense, un peu d'angoisse comme dans les films d'horreur qui est rajoutée dessus, qui rajoute du pathos et qui moi m'a pas du tout plu. Voilà, c'est un détail, mais si on avait pu se passer de ça, moi j'aurais eu... un visionnage plus tranquille. Et j'ai écrit bien attendre la fin de l'enquête filmée pour connaître les suites judiciaires. Voilà, pareil, je vais pas vous en dire plus, mais la fin de l'histoire est complètement hallucinante, donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin du documentaire pour en savoir plus sur le jugement, la suite de l'affaire et puis l'avenir de ces pauvres personnes. Deuxième favori, je vous en ai parlé dans l'un des derniers vlogs, il s'agit de l'agence. Alors, qui comporte 70% de réalité et 30% de choses complètement scénarisées, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Ça raconte l'histoire d'une agence immobilière basée à Paris, qui est une agence complètement familiale, à la base lancée par les deux parents, et les trois des quatre fils ont intégré l'agence immobilière par la suite, avec des envies d'expansion, d'avenir... assez marqué, et l'envie que cette agence, donc la famille Kretz, finisse par s'implanter dans tout le pays, voire dans le monde entier. Donc on suit cette famille qui est spécialisée dans l'immobilier de luxe. Quand je vous dis l'immobilier de luxe, c'est pas des maisons à 2 ou 3 millions,
C'est des maisons à 10, 20, 30, 50 millions d'euros. Donc moi je n'arrive même pas à imaginer ce qu'on peut avoir avec ce prix-là. Bah en fait on peut avoir une maison avec des fenêtres et des portes. Enfin voilà, mais il n'y a pas, c'est pas, le truc n'est pas un vaisseau spatial, enfin c'est assez hallucinant. C'est, alors certains d'entre vous m'avaient dit sous le vlog c'est un peu dérangeant parce que c'est du luxe à l'extrême et puis... on se rend compte qu'il y a des gens qui ont des problèmes quand même qui sont un peu différents des nôtres. Faut vraiment dézoomer complètement le truc, regarder ça d'un œil complètement critique. Enfin moi j'ai regardé ça vraiment comme un divertissement. C'est un monde dans lequel je baignerai jamais et vous probablement non plus parce que on n'est pas sur des gens riches, on est sur des gens richissimes qui peuvent dépenser plusieurs dizaines de millions d'euros pour se loger. Vous imaginez bien que du coup ils n'ont pas qu'un seul logement avec des demandes complètement farfelues et des critiques parfois sur des logements complètement dingues. Il y a des gens qui rentrent et qui disent les peintures ne me plaisent pas. Mais le truc coûte 20 millions d'euros donc s'il y a 20 000 euros de budget peinture, 20 000, je sais pas, mais même 10 000 euros, tu peux refaire presque les sols avec. Qu'est-ce que le papier peint va poser comme problème dans une résidence qui coûte 20 millions d'euros? Bref, il peut y avoir ce côté un peu agaçant, mais moi j'ai vraiment regardé ça comme presque comme une fiction à la fois, parce que c'est tellement, ça dépasse l'entendement, ça... c'est complètement déconnecté de la réalité, mais c'est hyper bien filmé, le montage est très très dynamique. Il y a cette petite notion de télé-réalité entre guillemets où on suit quand même bah là, les trois enfants qui sont mariés, leur évolution, leur famille, leurs enfants, mais c'est le bon équilibre je trouve, parce que moi ce qui m'intéresse vraiment dans toute cette série c'est plutôt l'aspect immobilier que l'aspect télé-réalité, mais ça humanise un petit peu les rapports même si on se doute bien que tout est scripté et que les coups de fil sont enregistrés, enfin il y a même un moment il y en a un qui est au téléphone et on voit très bien que c'est pas un écran d'appel. Donc c'est un faux coup de fil, donc voilà, faut pas trop se voiler la face à ce niveau-là, mais c'est une série d'épisodes, voilà, parce que donc il y a deux saisons, je les suis sur Instagram maintenant, donc je sais que la troisième saison est en cours d'enregistrement, et voilà, j'ai adoré, et je vous conseille de vous pencher là-dessus. Quentin a regardé avec moi, alors qu'à la base c'est pas un sujet qui l'intéresse trop, et il a été happé dès les premiers épisodes, donc je vous le conseille. Et le dernier favori, c'est un favori que j'ai découvert pendant mes vacances toutes récentes, il s'agit des feuilles magiques, de la lessive en feuilles de la marque Dr Beckmann. On s'est rendu en Sicile il y a peu de temps pour nos vacances, il y avait des machines à laver, des sèches-linges, etc. Mais moi j'aime bien toujours partir avec un petit peu de lessive liquide, alors auparavant la marque genre Génie, vous savez qu'on trouve en supermarché, qui mousse affreusement, qui sent extrêmement fort. Et puis je sais pas, j'avais envie de trouver quelque chose d'un peu plus pratique, j'ai tapé lessive, qu'est-ce que j'ai tapé, lessive voyage sur Amazon il faut croire, et je suis tombée sur ça, donc ce sont des feuilles de lessive, je vais essayer de vous trouver, je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble, c'est très fragile, une feuille comme ça, ça vous fait quasiment un demi tambour de machine, vous mettez ça dans un lavabo ou dans une baignoire pour faire votre lessive, c'est complètement hydrosoluble à partir de 20 degrés, donc sur une eau un petit peu tiède, ça fond, ça mousse, c'est hyper pratique à transporter parce que du coup ça coule pas, ça fond pas dans la valise. C'est dans une pochette qui est hyper hyper plate, vous avez 25 lavages, donc 25 feuilles à l'intérieur. Et écoutez, c'est hyper pratique, ça se rince bien, ça sent bon. Alors ça lavera jamais aussi bien qu'une lessive dans une machine à laver conventionnelle, mais si vous faites du camping, si vous voyagez en van, ou alors comme moi si vous allez en hôtel mais vous avez juste envie d'être tranquille et de faire un peu de lessive un soir de temps en temps, c'est hyper hyper pratique. Je me souviens plus du prix mais c'est pas complètement exagéré et voilà, je voulais vous en parler parce que c'est une belle découverte et que ça se transporte facilement dans la valise. Donc moi il doit me rester une vingtaine de feuilles, je sais même pas si j'en ai utilisé, non même pas deux ou trois. Donc je vais garder ça pendant un paquet d'années, le temps de finir le paquet. Et vous pouvez également glisser cette fameuse feuille dans une machine, voilà, si vous arrivez à un endroit qui a une machine à laver, ça fait office de lessive classique. Voilà pour cette vidéo, Five Rich, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très très bel été et je vous dis à bientôt.